La prochaine chanson, on aimerait la dédier à toute la famille et les amis de Catherine Drolet. On va faire une chanson qui porte le nom de la Catherine. Et on a besoin des gens de Mos pour chanter la Catherine avec nous. Marcher les pieds en cadence, se traînant paresseusement les bottines. Invariablement en retard, mais s'arrêtant devant chaque vitrine. Ouais, c'est bon! Et l'étudienne histoire de l'art n'était pas du type à faire sa médecine. Travailler le soir dans un bar pour payer et compter la nicotine. À 27 ans, on pouvait dire qu'elle était encore très jolie, même si les cernes trahissaient ses courtes nuits. Car malgré les traits tirés, elle avait gardé au fond des yeux ses petites lumières qui brillaient de plein feu. Tous les matins au déjeuner, elle faisait des croquis sur les napkins. La Catherine, quand elle est mariée, rehaussait son caprine avec une trine. La Catherine, sa vie était de la bonne, elle avait pas beaucoup de discipline. La Catherine, yeah, man.